Hey, bienvenue et bonjour dans cette nouvelle vidéo. Ici, on est avec Fabrice sur la chaîne YouTube Pop Culture. Alors, vidéo spécifique sur mes rentrées du mois. Donc, chaque mois, je fais quelques rentrées et dans cette rentrée, je vous présente tout ce que j'achète. Évidemment, là, on aura donc trois produits que j'ai achetés ce mois-ci. J'aurais pu en acheter plus. Chaque chose en son temps. On n'a pas les moyens du monde, quoi. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté et il y a du Funko Pop et de la Switch. C'est tout ça, mais après l'intro. Voilà, l'intro terminée. Je vais vous montrer enfin ce que j'ai acquis ce mois-ci et c'est tout de suite. Et voilà. On commence par une pop, hein, pour ne pas changer, figurine pop de E.T. téléphone maison, une spéciale édition. Vous avez remarqué peut-être que le spéciale édition, le sticker, l'étiquette était beaucoup plus petite. C'est les nouvelles versions. Donc c'est la E.T., c'est la pop 1266. On voit bien qu'il est avec son chocolat en main. Et donc derrière, on peut apercevoir la collection complète, édition catégorie pop movie, vraiment très très belle. Bah, très belle et très simple. Je l'ai acheté pour la modique somme de 12 euros. Voilà. Ensuite, achat suivant. Ma pop préférée du moment, c'est une pop Stranger Things, le démon Gorgon. Donc Funko Limited Edition, ici 2019. Elle est vraiment magnifique. En plus, c'est la version gold du démon Gorgon. Derrière, on a évidemment Eleven. C'est la pop 428. J'aime beaucoup cette version qui est un peu différente des versions classiques que je vais vous montrer maintenant avec ce thème particulier. Ici, je vais vous montrer maintenant. Voilà, ici, ça, la version plutôt très classique. Fond noir, Stranger Things logo en rouge. Là, on a un autre logo. Elle est vraiment très très belle. Voilà, les deux comparaisons. Ceci, je l'ai acquis il n'y a pas longtemps. Et ceci, c'est de ce mois-ci. Ok ? Donc le dernier produit que j'ai acquis ce mois-ci est pour vraiment pas grand-chose. Quand je vais vous donner le prix, vous allez faire « waouh ». C'est de la Nintendo Switch. Tout de suite, je vous montre. Voilà, de la Nintendo Switch. Alors, je ne vais pas vous faire attendre. Ça m'a coûté 5 balles. Ouais, normalement, il était à 39,99€, 39,99€. Et je l'ai eu pour 5 balles. Emballé, plastique, ce que vous voulez. Il est nickel. Et c'est pas un jeu à télécharger. C'est vraiment un jeu physique. C'est vraiment Mario et les lapins crétins. Ben voilà, ça fera partie de ma collection complète. À savoir, je collectionne également de la Nintendo Switch. Tous les jeux rétro, NES, Super NES. Je collectionne les premiers jeux PlayStation 1. Je collectionne beaucoup de Funko Pop et des figurines NECA, des figurines Super 7. De réaction, enfin bon, pas mal de choses, je suis aussi grand fan des posters. Tout ça est sur la chaîne, il y a des playlists, des catégories, si vous désirez voir tel type de vidéo, voilà. C'est ici que s'achève mon bilan de fin de mois, donc vous avez vu, hein, nous avons deux Funko Pop et un jeu Nintendo Switch, tout ça pour pas grand chose, voilà. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, on d'abord X avec la Brix. Et donc voilà.